Alors, déjà, vous remarquez que la mise en scène est totalement différente de la première. Dans la première, on était dans une salle qui était divisée en deux, qui était très sombre, très oppressante. Ici, vous êtes dans un espace extrêmement ouvert qui présente en gros la France finalement, mais la France sous ses diverses facettes. Donc, dans la première salle, on était dans l'avancée chronologique avec un déroulement plus ou moins rapide du temps. Ici, nous sommes dans un espace géothématique. On commence avec les prisonniers de guerre, ceux qui ont une absence totale de liberté et les Français des zones annexées. Ensuite, une opposition en face à face avec la zone occupée et la zone non occupée. Ensuite, l'Empire. Et enfin, l'Angleterre qui symbolise la marge de manœuvre la plus totale. On est en fait dans une géographie de la liberté. Donc, quand on vient de vous le présenter, Karine, pour la scénographie, je vais vous présenter les hommes, les soldats, en tout cas, ce qu'on a appelé les plus contraints, ceux qui ont le moins de liberté. Donc, ça va être plus d'1,8 million soldats français prisonniers de guerre pendant la campagne de France. Dans cette vitrine, on présente trois uniformes avec trois destins particuliers. Que ça soit au centre l'uniforme du sergent Lebel du 32e régiment d'infanterie. Donc c'est un descendant de Nicolas Lebel, le concepteur de la cartouche en 8 mm d'ailleurs, et qui va être adapté donc, pour le fusil, notamment sur la Première Guerre mondiale. Donc fait prisonnier de guerre en 1940 et qui va faire 5 ans de captivité et être libéré par les Alliés qu'en 1945. Ensuite, on a la vareuse du maréchal des logis, Caspar Auguste. Auguste, qui est d'origine alsacienne. Il est dans un régiment d'artillerie de DCA, le 403e régiment d'artillerie de DCA. Et il va faire partie de ces troupes qui vont être notamment dans le secteur des Vosges, qui vont être internées en Suisse. Il y a plus de 40 000 soldats français et polonais qui vont être internés en Suisse. Il va en faire partie. Il va y avoir une négociation notamment avec le gouvernement de Vichy, donc le maréchal Pétain et la mission Scapini qui va négocier la libération le retour de ces prisonniers internés de Suisse. Ça va être son cas, il va retourner en Alsace. Et malheureusement pour lui, surtout à partir de 1942, où le Gauleiter Wagner, qui dirige l'Alsace annexée, va être incorporé de force dans l'armée allemande, être fait prisonnier par les soviétiques en 1945, être envoyé au camp de Tambov en Russie et revenir dans les années 50. Donc c'est vraiment des destins un peu particuliers. Et enfin, la pèlerine, le képi brodé, qui est le képi du général Giraud. Donc le général Giraud qui va être fait prisonnier en 1940 et qui, par une sorte d'évasion un peu rocambolesque, va réussir à s'évader en 1942. Donc là, on a aussi un travail de prisonnier de guerre, une sorte de... C'est un banjo. Et à côté, vous avez les plaques qui étaient données aux prisonniers de guerre. Donc, d'ailleurs, c'est le cas d'Auguste Caspar, dont je parlais tout à l'heure, qui était d'origine alsacienne. Cette partie d'Alsace et de Moselle annexée de fait par les Allemands. Et un des témoignages de cette annexion, hormis après plus tard surtout ce qu'on appelait malgré nous les incorporés de force dans l'armée allemande, c'est l'exemplaire de cette plaque qui est une Hermann Göring Strasse, donc rue Hermann Göring, qui se trouvait à Colmar. Parce qu'en fait, les Allemands, dès qu'il y a eu cette annexion de fait, ils ont rebaptisé
un grand nombre de rues, d'avenues, de places. Donc vous allez trouver des Hermann Göring-Strasse, des Adolf Hitler-Platz. Donc c'est toute cette mise en place de l'annexion qui, dont on témoigne cette plaque de rue. Donc je laisse la parole à Karine qui va vous présenter la suite de l'exposition. Donc après la zone annexée et le cas des prisonniers, nous sommes ici dans deux zones que nous avons mis face à face. Donc la France de Vichy qui correspond à la zone non occupée et la zone occupée, dite improprement la zone nord. Donc dans la convention d'armistice franco-allemand, le statut de ces deux entités est bien précisé. Dans l'article 2 de la convention, il est écrit « Pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée par la carte, si annexé, sera occupé par les troupes allemandes. » Et à l'opposé, pour la France de Vichy, l'article 3 de la Convention précise « Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé ou bien, s'il le désire, de le transférer même à Paris. » En fait, comme on le sait, ce n'est pas à Paris que le gouvernement Pétain va s'installer, mais à Vichy. Donc, retour à la zone occupée. Ici, vous avez une affiche « Population abandonnée » qui est assez connue, mais qui a une particularité, c'est que un Français a écrit, un Parisien, a écrit au crayon noir « Et quoi encore ?» Donc, qui est, en un sens, une marque, sinon de résistance, d'opposition à l'occupant allemand. Et ici, vous avez un objet qu'on ne s'attendrait pas à voir dans une exposition traitant de l'année 1940. Il s'agit d'un armet de la Renaissance qui fait partie des collections du musée de l'armée et qui est un armet provenant des collections allemandes et qui a été pris lors des guerres de l'Empire en 1800 et s'est retrouvé donc au musée de l'armée. Avec l'occupation allemande et en prévision de la future victoire allemande, des historiens allemands ainsi que des chefs d'établissement allemands ont rédigé un catalogue des collections allemandes qui se trouvaient au musée de l'armée. Donc on a 2023, une liste de 2023 items, donc des armes, des armures, des canons, des emblèmes choisis dans les collections désormais du musée de l'armée. Et ce catalogue est remis au directeur du musée de l'armée de l'époque en disant bah, maintenant ces objets, nous allons les récupérer. Et donc cette armée part à Munich, donc dans sa collection originelle, et revient après la guerre, en 1946, au musée de l'armée. Donc voilà, une histoire assez rocambolesque pour une partie de ces collections. Et ici, donc toujours dans l'opposition zone occupée, zone non occupée, on a voulu montrer aux visiteurs les actualités cinématographiques que les Français pouvaient voir à l'époque. Donc il n'y avait pas de JT à l'époque. Quand on voulait voir les informations, on allait au cinéma. Donc ces informations précédaient le film que les gens allaient voir. Et donc vous avez ici les actualités cinématographiques que les Français pouvaient voir en zone occupée. Et une fois que ce montage d'archives est fini, vous avez à l'opposé ce que les Français pouvaient voir en zone non occupée. Donc du coup, on les fait fonctionner en alternance pour éviter une cacophonie, mais on a mis cette carte qui présente la France après la signature des armistices, où vous voyez bien donc la zone occupée avec les différentes zones annexées et rattachées au commandement de Bruxelles. On parle toujours de la zone occupée, de la zone non occupée. En fait, il y avait un peu plus de zones. Et juste un petit retour sur cette vitrine qui présente un document original qui est la lettre de Jacques Bonsergent. Donc c'est un jeune homme de 28 ans qui est à l'École supérieure des arts et métiers et qui est pris dans une bousculade avec un officier allemand.
Jacques Bonsergent refuse de dénoncer la personne qui a bousculé cet Allemand. Il se retrouve emprisonné et condamné à mort pour l'exemple. Et il sera fusillé au fort de Vincennes le 23 décembre 1940. Et cette lettre date, est écrite à la veille de sa mort. Elle est vraiment illisible. Il a écrit ça vraiment la veille au crayon avec les moyens du bord et il s'adresse à ses camarades de l'école supérieure des arts et métiers. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme les réseaux de résistance n'existe pas encore à proprement parler. Ce sont des gens qui vont résister. Et donc, les Français vont résister comme ils peuvent et vous avez un des premiers réseaux, le réseau du Musée de l'Homme qui va se constituer et son directeur Paul Rivet va afficher, va placarder sur la porte du Musée de l'Homme qui est fermée ce poème, un poème de Rudyard Kipling, If, qui est rédigé en 1910 et qui est un poème qui est... qui appelle à garder la tête haute en toutes circonstances. Donc un poème qui est très connu chez les Britanniques. Et le poème qui est placardé sur la porte du Musée de l'Homme n'a pas été conservé. On sait que Paul Rivet l'a placardé. On ne sait pas du tout ce qu'est devenu le document. Il a sans doute été jeté ou en tout cas n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais pour nous, c'était vraiment important de le présenter quand même. Et ici, nous avons une vitrine qui est extrêmement importante d'un point de vue historique pour l'histoire de France. Nous avons des prêts des archives nationales et du mémorial de la Shoah qui sont extrêmement importants. Ici, vous avez l'acte constitutionnel numéro 1 et le numéro 2 qui, en fait, annoncent la création de l'État français et que le chef de l'État français sera le maréchal Pétain qui aura à la fois le pouvoir exécutif, législatif et une partie du juridique. Donc la Troisième République est abolie et naît l'État français. Et ici, vous avez un document, il s'agit du premier statut des Juifs. Alors, il ne s'agit pas de la loi définitive, mais d'un projet de loi qui est proposé au maréchal Pétain. Et dans ce projet de loi, il est indiqué que les hauts fonctionnaires de l'éducation, notamment, seront exclus, ces postes-là seront exclus aux personnes juives. Et en fait, le maréchal Pétain va effectuer des annotations manuscrites au crayon à papier. Il va durcir ce projet en disant que ce ne sont pas simplement les hauts fonctionnaires qui vont être les hauts fonctionnaires juifs qui vont être exclus de l'éducation, mais tous les corps de l'éducation. C'est un document qui est extrêmement fort. L'original n'a jamais été présenté. D'habitude, c'est un fac-similé qui est présenté au mémorial de la Shoah qui a accepté de nous prêter l'original exceptionnellement pour cette exposition. Et ici, juste en face, vous voyez la liste de toutes les lois et actes décrétés par le régime de Vichy, rien qu'en 1940. Donc c'est une liste qu'on n'a pas forcément voulu extrêmement lisible, on voulait juste montrer la quantité de lois qui passent rien qu'en cette année 1940. Donc merci Karine. À présent, nous allons passer sur cette carte animée qui représente donc le ralliement des pays, de certains pays de l'Empire français à la France libre ou qui restent fidèles au gouvernement de Vichy. Donc cette carte animée qui sera disponible sur le site internet du Musée de l'Armée a été réalisée par Equilectic en partenariat avec le Musée de l'Armée. Donc sur cette carte, elle permet de découvrir et de localiser, de faciliter le visiteur à voir les différents territoires de l'Empire français dans le monde, donc en Afrique. Donc vous avez notamment les territoires de l'Empire français avant la Seconde Guerre mondiale, donc l'Empire français, le territoire belge, anglais. Donc là, ici, les Antilles et la Guyane. Et après, on va basculer dans l'océan, en Indochine, pardon, avec les établissements de l'Indochine et l'Océanie. Donc cette carte, voilà, donc permet de montrer que ces territoires, donc qui passent normalement sous le gouvernement de Vichy, permet de montrer vraiment aux visiteurs, de faire découvrir les territoires qui rentrent en premier dans les territoires français libres.
Donc vous avez les Nouvelles Hébrides, l'archipel des Nouvelles Hébrides, donc qui passe le 22 juillet 1940 dans le territoire de France française libre, le Tchad, le Cameroun, qui sera le lendemain, le 27 août. Ensuite, on aura donc le Moyen Congo le 28 août. Lubangui le 31 août. Et on va basculer tout de suite donc en Océanie avec donc l'établissement français d'Océanie et ensuite les établissements en Inde avec Pondichéry, etc. Donc à présent, nous allons passer donc à cette vitrine. Cette vitrine donc, qui évoque Mersel Kébir. Le 3 juillet 1940 débute l'opération Catapulte. Donc l'opération Catapulte, c'est une opération britannique qui a pour objectif de soit détruire la flotte française qui resterait pour le gouvernement de Vichy, ou de capturer ces navires. Donc les navires qui sont actuellement en Angleterre, donc en 1940, vont être saisis. Cependant, la flotte qui se trouve à Mersel Kébir, donc en Algérie, refuse, on va dire, de se rendre. Et donc la flotte anglaise bombarde la flotte française. Donc au total, plus de 1295 marins français trouveront la mort. Cet événement servira de propagande au gouvernement de Vichy. Derrière, vous avez justement un uniforme donc, de canonnier pointeur de la Royal Navy anglaise. Ce drapeau a été réalisé avec des moyens de fortune. C'est un drapeau qui a été hissé sur la plantation de Horace Mallet. Horace Mallet qui ne voulait pas refuser la défaite en fait, et voulait poursuivre le combat, décide de rejoindre les forces françaises libres, donc hisse le drapeau avec la croix de Lorraine sur sa plantation et décide de s'engager dans la brigade française d'Orient avec laquelle il participe à la campagne d'Érythrée en décembre 1940. Malheureusement, Horace Mallet perdra la vie en 1942 à Bir Hakeim exactement, et donc il sera inhumé, il se trouve toujours d'ailleurs au cimetière de Tobrouk. Donc, comme on le sait, Charles de Gaulle s'est rendu à Londres auprès de Winston Churchill pour continuer les combats. Il y va en tant que sous-secrétaire d'État à la Défense nationale d'un gouvernement qui vient de démissionner, certes, mais dans le cadre de fonctions publiques. Et puis, il connaît le Premier ministre. Charles de Gaulle lance son appel du 18 puis celui du 22, et aucun grand général ne le rejoint à Londres, si ce n'est le général Catroux, mais qui décide, malgré sa supériorité hiérarchique, le général Catroux est un général 5 étoiles, le général de Gaulle un général de brigade à titre temporaire, et Catroux se met sous les ordres du général de Gaulle. Donc à partir de ce moment-là, le général de Gaulle ne se considère plus comme un officier, mais comme uniquement le chef des Français libres. Donc il passe de l'autre côté, si l'on peut dire, avec un nouveau rôle. Et Churchill, avant l'arrivée de Catroux, lui dit « Bien, vous êtes seul, je vous reconnais seul, donc comme chef des Français libres. » Donc, en un sens, c'est à Londres que naît la France libre. Mais c'est à Brazzaville, dans l'Empire français, que Charles de Gaulle va lancer son manifeste, le fameux manifeste de Brazzaville, le 27 octobre 1940. Ici, vous avez, là encore, non pas la dernière version, mais une version annotée par le général lui-même. Nous sommes 2 semaines après la rencontre de Montoire et la fameuse poignée de main entre Hitler et le maréchal Pétain. Et dans ce manifeste, Charles de Gaulle écrit « Il n'existe plus de gouvernement proprement français. L'organisme-ci à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur. Il faut donc qu'un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l'effort français dans la guerre. Les événements m'imposent ce devoir sacré et je n'y faillirai pas. » Donc, par ce manifeste, le général de Gaulle crée le Conseil de défense de l'Empire, dont Catroux va faire partie, ainsi que René Cassin et le colonel Leclerc, futur général Leclerc, entre autres.
et par ce Conseil de défense de l'Empire, par ce manifeste de Brazzaville, Charles de Gaulle pose les bases d'un État régalien, c'est-à-dire un vrai État avec ses institutions qui seront en mesure de représenter la France contre le régime de Vichy, contre l'État français du maréchal Pétain. Et donc, il dote la France libre de tous les attributs d'un pouvoir régalien, notamment une monnaie. Des bons de caisse vont être émis dans l'Empire. Là, ici, vous avez un bon de caisse de l'Afrique équatoriale française qui nous est prêté par le musée de l'Ordre de la Libération. Et comme Antoine le disait tout à l'heure, l'Empire est divisé, donc des guerres fratricides vont s'engager, opposant des Français contre d'autres Français. Et ici, vous avez un télégramme de Félix Eboué, gouverneur du Tchad, qui l'adresse aux autorités de Vichy en disant qu'il décide de rallier le général de Gaulle. C'est ce ralliement qui va entraîner d'autres ralliements et Félix Eboué va être nommé gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Voilà, donc un document extrêmement important et extrêmement symbolique qui nous est prêté par les archives nationales d'Aix-en-Provence. Et la France libre se dote d'autres attributs régaliens dont Jordan va nous parler. Non. Comme vient de vous le dire Karine, ce qui fait un État, c'est la monnaie, c'est aussi la création d'ordres et d'ordres militaires. Ça va être le cas notamment de cette croix. Donc c'est la croix de la Libération. Donc l'ordre de la Libération a été créé le 16 novembre 1940. Et c'est un ordre qui va être vraiment terminé en 1945. Et d'ailleurs, en parlant de cette décoration, il y a Daniel Cordier qui est décédé tout récemment, qui était l'avant-dernier compagnon de la Libération, et maintenant qui a 100 ans. Depuis le mois de novembre, Hubert Germain, qui est le dernier des compagnons de la Libération. Et en même temps que justement que cette exposition Commande 40 se tient au musée de l'Ordre de la Libération, l'exposition 1940 Paroles de rebelles. Alors l'exposition du musée de l'armée va fermer, mais en revanche celle du musée de l'Ordre de la Libération va être ouverte jusqu'à la fin du mois de février. Donc vous pourrez découvrir ces destins de Français libres au musée de l'Ordre de la Libération. On a notamment dans les documents un acte d'engagement de Français libres, celui de Guy Bourche, qui s'est engagé très tôt, parce qu'il y a une carte postale qu'il avait envoyée à ses parents, même d'ailleurs, c'est le 17 juin 1940, donc c'est... Il répond plus en réaction à l'appel, au discours du maréchal Pétain du 17 juin que l'appel du 18 juin qu'il n'a pas encore entendu, mais il va ensuite, avec tout un parcours particulier, de rejoindre la France libre, comme d'ailleurs son frère. Et dans les documents qu'on présente qui sont vraiment intéressants, donc il y avait ces actes d'engagement, c'est notamment ce registre d'engagement dans les forces aériennes françaises libres. Et on va dire là où il y a l'ombre, vous avez le nom de Henri Lafond. Et Henri Lafond, c'est un des 13 pilotes français qui ont été engagés pendant la bataille d'Angleterre, donc à partir du mois d'août, août et septembre 1940. Donc il va y avoir la décision d'Hitler d'envahir l'Angleterre avec l'opération Lion de mer. Mais il va y avoir quand même la résistance, notamment de la Royal Air Force, au bombardement, à la chasse et au bombardement allemand. Et donc on présente trois uniformes de cette bataille d'Angleterre et de cette période-là. Donc je parlais des 13 pilotes engagés. Donc il y a l'adjudant-chef Bouquillard qui va être nommé sous-lieutenant après en 1941.
Donc Henri Bouquillard, qui est un des compagnons de la Libération, dans les premiers compagnons de la Libération engagés dans la bataille d'Angleterre, et qui va être abattu en mois de mars 1941. La Royal Air Force, donc c'est ça se divise en trois, on va dire le Fighter Command, qui est le commandement de la chasse et qui va combattre contre les Allemands, le Bomber Command, qui est le commandement du bombardement, et le Coastal Command pour tout ce qui est défense côtière. Donc là, c'est un uniforme plutôt de, on va dire, du Bomber Command, le bombardement de la Royal Air Force. Sachant que la petite anecdote, c'est le 7 juin 1940, le capitaine de corvette Deyer, qui va à bord du Jules Verne, son avion, va partir de Bordeaux-Mérignac, longer toute la côte française quasiment pour aller bombarder Berlin. Bon, ça va avoir peu d'effet parce qu'il a séché quelques bombes dans la banlieue de Berlin, mais c'est finalement, ça va être surtout le 25 août 1940 que la Royal Air Force va bombarder Berlin. Et ça va être après le début du Blitz, ce qu'on a appelé le Blitz, le bombardement de Londres, de Coventry, toutes les villes anglaises. Et enfin, ce dernier uniforme qui est un peu spécial avec une sorte de cape, c'est ce qu'on appelle la Home Guard. C'est les soldats qui sont trop âgés pour servir dans l'armée régulière et l'armée territoriale. C'est ce qu'on va surnommer surtout la Dad's Army, en gros l'armée à papa. Donc c'est personnes, on va dire plus d'une quarantaine d'années, mais il va y avoir quand même un gros engouement de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui vont s'engager dans la Home Guard, qui était destinée, c'était quasiment par ville ou village. Il y avait ces unités de Home Guard qui devaient défendre le sol britannique au cas où les Allemands auraient envoyé des parachutistes, et voilà, donc ils étaient chargés de défendre l'Angleterre en cas de parachutage. Comme le disait Jordan, des comités de la France libre vont se créer à l'étranger. Donc ce sont des Français qui soutiennent l'action du général de Gaulle, mais qui pour diverses raisons ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer à Londres ou dans l'Empire, et vont résister à leur manière là où ils vivent, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde. Aux quatre coins du monde, des comités vont se créer. Et un de ces comités va se créer à New York, le comité France Forever. Et donc ces comités participent au soutien à la France libre par le biais de distribution de tracts et de collecte d'argent en vendant des produits tels que un poudrier, des crayons avec l'insigne, le symbole de la France libre. Donc vous voyez cet écusson tricolore avec la fameuse croix de Lorraine, l'emblème de la France libre. Donc les fonds vont être collectés et vont soutenir l'action de la France libre, en notamment la finançant. Et ce comité new-yorkais, France Forever, va recevoir un don de l'artiste moderne Alexander Calder, artiste américain, très connu pour ses mobiles. Et le musée de l'armée vient de faire l'acquisition d'un mobile, le mobile dit France Forever, donc créé en 1942 pour soutenir l'action du général de Gaulle. Le musée en a fait l'acquisition là en tout début d'année, en 2020, et il est présenté désormais dans l'historial Charles de Gaulle, qui après un an de fermeture pour modernisation rouvrira ses portes très bientôt, nous l'espérons, et vous pourrez voir ce mobile exceptionnel qui est un patrimoine de l'État. Nous terminons comme nous avons commencé, avec une citation de Marc Bloch. Donc, j'en parlais tout à l'heure, donc l'historien Marc Bloch, vous avez sa photographie ici. Il a vécu, comme vous le voyez avec ses dates de naissance et de mort, les deux guerres mondiales. Il a vécu les tranchées, il a fait la campagne de France en tant qu'officier, et après la campagne de France, il va s'engager dans un réseau de résistance et être fusillé en 1944. Cet historien, qui à la base est un médiéviste, va ouvrir un ouvrage
extrêmement important, l'étrange défaite, dans lequel, avec ce qu'il a vécu, essayer de comprendre pourquoi la campagne de France a été une telle défaite, en analysant les aspects militaires et politiques. Et ce qui est vraiment frappant dans cet ouvrage, c'est la justesse avec laquelle il décrit à vif les faits, puisqu'il les écrit vraiment quelques mois après, voire quelques semaines après la fin de la campagne de France. Donc un regard qui est très précis, très pointu, très juste, qui en font l'ouvrage de référence. Et donc il termine avec, nous terminons l'exposition avec cette phrase: je souhaite en tout cas que nous ayons encore du sang à verser. Alors, tous les personnages que vous avez vus dans cette exposition, tous les résistants, tous les Marc Bloch, ne savent pas comment vont se dérouler les événements. Nous, on a une connaissance a posteriori de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on est en 40, et c'est une phrase qui est finalement très... très prémonitoire, nous le savons, et qui est extrêmement frappante par tous les événements qu'elle annonce. Voilà, donc nous avons terminé cette visite de l'exposition. Alors, l'exposition est fermée, nous espérons qu'elle réouvrira, elle se termine le 10 janvier. Ce sera son dernier jour, malheureusement elle ne sera pas prolongée. En revanche, il y a un catalogue d'exposition qui avait été réalisé et qui comporte l'intégralité des objets qui étaient présentés dans l'exposition sous forme de photographies, avec des textes d'historiens extrêmement enrichissants et éclairants sur l'année 40, voilà, que vous trouvez dans les librairies. Ça n'est pas l'exposition, mais c'en est un très bon complément, et vous trouverez l'exposition en ligne avec une sélection de photographies, de textes et les cartes animées que nous avons produites pour essayer de vous faire vivre l'aventure d'une manière un peu différente. Voilà. Donc merci à tous, merci à Antoine et à Jordan. Et au PC Sécurité qui nous a ouvert exceptionnellement les salles qui sont dans le noir depuis plusieurs semaines maintenant. Et merci Ravit d'avoir réalisé ce film. Je vais tourner la caméra.